Bonjour, bonsoir à tous, tout le monde. Bienvenue à vous sur ce nouveau live. Sur ce nouveau live speed run en multi. Bonjour. Ah, par contre, non. Bonsoir. Excusez-moi, j'ai oublié deux secondes. Voilà. Le son Twitch qui était pas désactivé, donc on m'entendait en double. Voilà. Un nouveau live speed run multi avec toujours ici en ma compagnie Xenokira. Salut tout le monde. Au moins une musique. En fait, le live d'avant sur Mario Kart, j'avais laissé une musique. Sauf que la musique, ça venait du son de mon PC et la voix de Xeno aussi. Donc quand t'es dans la musique, plus sa voix. Et là, j'avais pas fait gaffe. Alors, actuellement, si je live pas seul, je mets pas de musique. Mais d'habitude, je mets de musique pour pas que les gens y aient qu'une image. Pour pas que ça soit trop chiant non plus. Donc voilà. Et aujourd'hui. On va... Merde. Putain, par contre, la capture ici à la forêt. Attendez, il faut que je la remette. Encore à la live très professionnelle. Encore à la live très propre. En effet, alors attendez. Là, vous voyez rien, c'est normal. Hein. Je vous dis, la capture, elle a été complètement saccagée. Il faut que je la remette. Un jour, j'y arriverai. Hein. Ça sera propre. Voilà, normalement... Normalement, tout est bon ici. J'ai dit normalement. Ça, c'est parce que j'ai fait pause, hein, je crois. Voilà, c'est ça. C'est parce que j'avais fait la pause. Ah oui, quand même, le jeu... Ah oui. Alors, attendez, on va faire ça. On étire au max. Ouais, d'accord. Alors déjà, heureusement que c'est un début de live... Parce que on se ferait. Bon, déjà, clairement, là, on commence à se faire un peu chier. Mais bon, là, c'est pas ma faute, c'est le jeu. Bon, je suis désolé, mais le jeu, je vais devoir le mettre en plus grand écran. Ça va être un peu plus pixelisé. Mais c'est. Voilà, c'est comme ça. C'est pas non plus très très grave. Alors, on va le mettre un peu plus grand encore. Petite question pour le chat. Est-ce que vous entendez le son de mon jeu ? Non, le son de ton jeu, je l'entends pas, donc ils l'entendront pas non plus, je crois. Par contre, toi, on t'entend très bien. Donc, je pense qu'on t'entend très bien. Donc, c'est le plus important. Alors, je vais t'inviter tout de suite, mon cher Xenokira, à cliquer sur le menu pour pas que le menu il zappe. Ouais. Donc, t'arrives sur la page d'aide, normalement, et on n'y touche pas. Comment dire, j'ai déjà dû la passer parce que j'ai eu le message cartouche endommagé. Et comme quoi, je peux pas sauvegarder. Tu peux pas sauvegarder. C'est bizarre, ça. Du coup, j'utiliserai les safe states. Ok, de toute façon, tu m'as dit que tu utiliserais les safe states. Par contre, un autre truc, là. J'ai pas les messages du chat. Attends. Je vais en mettre un. Ou alors, c'est moi. Test. Comment ça se fait que j'ai pas les... Non, c'est bon. C'est juste parce que c'est les anciens messages. Mais normalement, ils sont censés... Les messages, ils sont censés... Rester en fait. Depuis quand I will show message. Ça veut rien dire, putain. Ok. Et là, on les voit plus. Bon. C'est peut-être normal, hein. C'est. Voilà. Donc, nous retrouvons aujourd'hui sur un live speedrun sur Pokémon. Pas Blue et Red comme le suggère Twitch, mais bon, je pouvais mettre autre chose que ça. Donc, c'est un live sur Verfeuille. Le but, ce sera, bien évidemment, d'atteindre la fin du jeu. Alors, ça sera en plusieurs parties. Hein. On ne pourra pas finir Pokémon en une soirée. Faut pas déconner. C'est sur celui qui deviendra maître Pokémon, le premier. En sachant qu'il y a une règle. Les premières zones que l'on visitera... On n'a pas le droit d'activer le boost de vitesse de l'émulateur. Voilà, de l'émulateur. Par contre, si on revient en arrière pour PES dans la zone, là on peut l'utiliser. Mais dans une zone qu'on vient de découvrir, c'est interdit. Donc voilà. Vous avez les règles, vous avez l'enjeu. On va pouvoir se préparer. Parce que là, contrairement aux autres, il faut se préparer. Alors par contre, comment ça se fait que le jeu il rame comme ça? Oula, voilà, attendez. Déjà...
Déjà, il se passe un très gros truc là chez moi. Je vais commencer à entrer mon nom, tout ça, je t'attends. Je ne bouge pas mon perso. What? C'est le processeur qui pète un câble. Ah. Je sais pas pourquoi. The fuck, man? Attends, attends, je vais éteindre la Game Boy. Je vais la rallumer, vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Putain, mais il manquait plus que ça. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, putain. Pourquoi tout... Live très professionnel, on le rappelle. Ouais, très, très. Hein. Franchement, n'oubliez pas ça. C'est... Vous en verrez pas souvent des lives aussi pro. Hein. Donc, je répète, ce coup-ci, tu vas me faire l'immense... Que dis-je? Plaisir, honneur de... De me prendre ça comme ça. Attends, mais c'est une blague là. En fait, dès que je stream le jeu, il se met à laguer. Ah oui. Attends, c'est une blague. C'est une blague en fait. Gros, essaye d'augmenter la vitesse de ton émulateur. Va dans option frame skip, Ouais. throttle et mets-le à 150 ou 200% pour voir. Aïe 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 aïe, mais c'est dégueulasse. Hein. Mais pourquoi ça fait ça? Ça m'a jamais fait ça. C'est bizarre. Ouais. Eh mec, tu verrais, c'est un délire. Hein. Mais pour qu'un émulateur Game Boy RAM, faut y aller quand même. Mais je comprends pas, hein. Vraiment, attends, je vais faire une petite pause. Mais en fait, ça lag à partir du moment où je le mets dans la capture. Attends. Capturer une fenêtre spécifique. Les applications en plein écran. Capturer la fenêtre au premier plan. Ok, nanana. Me forcer la mise à l'échelle. Ah, peut-être ça. Peut-être ça. Limiter la fréquence d'image. Ah, peut-être ça aussi. Ce serait pas mal. Vitesse de la capture. Normal. Excusez-moi, hein. Bah pour le moment, c'est n'importe quoi en fait. Hein. Hein, ça change rien. Ça change rien. Oh putain. Pourquoi utiliser la méthode de mature compatible anti-triche? Ça, je m'en fous en fait. Ça va être un... Heureusement qu'on est que deux hein, pour le moment à regarder. Hein, parce que. Il y aurait par exemple, tu vois, il y aurait un raid. Là, je crois qu'on se foutrait de ma gueule. Un peu, ouais. Ce serait immonde. Non, mais en fait, le jeu, je t'explique. Hein, tu vas pas me casser les couilles. Tu vas clairement pas me casser les couilles. On va tenter autre chose. Mais mec, je suis à 33% de mes FPS de base. C'est une blague? Est-ce que t'as un navigateur d'ouvert ou quoi? Bah, j'ai juste mon navigateur de base, quoi. Essaie de le fermer en entendant. Bah, si je le ferme, mon live, Ah oui. voilà, Ah quoi. oui, juste. Juste. Bah, écoute, c'est simple, je vais faire un truc. Je vais allumer... l'autre Visual Boy Advance là, même si je pourrais pas allumer le Pokémon, c'est pour un test. De toute façon là on a le temps, les gens ils sont pas encore totalement là, voilà on a le temps de faire de la merde, comme tu dirais l'autre. Voilà, j'allume ça. Tu peux t'allumer, hein. T'as le droit de t'allumer, c'est pas interdit. Par contre, tu commences Oula, à laguer. oula, oula, oui, toi aussi tu commences à... Attends. Waouh, il s'est passé quoi là? J'ai pas compris non plus, pour le coup. Putain, mais même le son commence à laguer quoi. Alors, c'est pas GB que je veux allumer. Non, non, c'est Game Boy Advance. Si tu permets. Ouais. Open. Open bar ma couille.
Putain, qu'est-ce que ça branle? Un jeu au pif, on s'en fout, un jeu au pif. Un jeu au pif, on va remettre la capture. Alors. La capture. Ok, c'est ici, d'accord. Pourquoi on voit pas? Et là, il n'y a aucun lag. Par contre, on voit pas la capture. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends. C'est quand même dingue ça, cette histoire. Pourquoi on voit pas le. D'accord, hein, c'est. Bon, je vais rallumer le Visual Boy Advance. Et voir. Ça se trouve, c'est peut-être un bug en fait. Hein. Ça se trouve, tout allait bien. Et c'est juste que le Visual Boy Advance, il veut me faire chier, c'est tout. Possible, hein. Que ce soit ça. Et d'ailleurs, j'espère que c'est ça parce que. Parce que, bah, putain. Voilà quoi, à un moment donné. Bon, par contre, t'es gentil, mais. Putain. Je vais le remettre. On va enlever la game capture. Parce qu'il va, il va commencer à m'énerver. Quoi? Bah oui, je suis sûr. Qu'est-ce qu'il me branle? Alors, ajouter. La game capture, elle est où là? Elle est où? La capture de jeu, ok. Vas-y, fais pas chier, mets-le. Capturer une fenêtre spécifique avec. Voilà, ça, c'est ça que je veux, moi. Force la mise à l'échelle si tu veux, j'en ai rien à foutre. Bon, alors. Putain, mais ça se remet à laguer, c'est quoi Et c'est comme je t'ai dit de d'augmenter ton frame skip. Bah, il est à 200%. Ah! Après, il était à 200%. Je l'avais augmenté à 200%, mais ça n'avait rien changé. Hein. Et si je le mets comme ça? Ah! Là, tout de suite, avec l'écran rapetissé, ça passe mieux. Hein. Non, mais n'importe quoi, quoi. Donc, en fait, c'est parce que l'écran était trop grand. Ah oui. Ouais, alors. D'accord, hein. Ah, je me permets de m'excuser. Ah, je vais essayer l'OpenGL. L'OpenGL, ça se trouve? L'OpenGL, ça va bouffer ton processeur. C'est pas censé être l'inverse? Non, non. L'OpenGL, c'est le processeur. Faut que tu te mettes sur ta carte graphique si tu veux que ça bouffe dans ta CG. Ma CG. Ma GDI, tu veux dire? Ouais. On fait des trucs, hein. En fait, ça va pas être un live Pokémon, ça va être un live. Non, si tu veux. Si tu veux mettre sur ta carte graphique, c'est Direct 3D qui. Bah, c'était sur Direct 3D. Ah. Aïe 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 aïe. Et si j'active la V5? Non, ça n'a rien. Essaye Direct Draw, c'est sur ce. Sur ce que je suis. Ouais, mais après, toi, te stream pas, toi. Oui. Non, pas OpenGL. Mais n'oublie pas OpenGL, c'est pas ce que je voulais faire. Aïe aïe aïe. Emulator, associate, synchronize, nanana, automatique, IPS patching, safety, show speed. Ouais. Ouais. Et en vidéo, même le V5, ça fait rien. Bah, logiciel, j'utilise Streamlab. Putain, heureusement que ce soir, on est que deux, hein, parce que... Ouais. Là, c'est le live de la dissidence. Hein. Ça se trouve... Ça, on ah, mais se... tellement. Ça fait que 14 minutes qu'on est en live, mais c'est déjà la merde. Et si je mets en full... Attends, je vais tester le full screen.
tester le full screen parce que des fois le full screen. Non, 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 pas le full screen comme ça. Le. Non, bah. Non, non, ça. Ça n'arrange rien en fait. Ça n'arrange rien. Et j'aimerais. Si tu veux bien. Alors, je suis du coup. Là, je passe à. Putain, je suis même pas à 70 FPS, quoi. Je veux dire, à 60%. Je suis à même pas à 100% d'FPS, mais c'est. Putain. Mais c'est. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais je comprends. Je comprends que dalle, en fait. Ça m'est jamais arrivé. C'est pas la première fois que. Bordel. Après, ce que j'ai pas compris aussi, c'est que quand j'ai allumé l'autre Visual Boy Advance là, bah le truc il le prenait pas. Ok. Et c'est quel Visual Boy Advance qui lag? Bah le tout premier que j'avais eu avant. Ah oui. T'as essayé sur VBA Link ou VBAM? Bah c'est pour ça, là, je vais rallumer VBAM. Toi tu utilises quoi toi? Moi j'utilise VBA normal. Je vais retester VBAM, écoute. Ah c'est sûr ça casse les couilles hein, mais vous inquiétez pas, moi aussi ça me les brise. La game capture c'est ici, merci. Voilà. Voilà. Alors, par contre, tu te calmes sur le son. C'est bon, ça passe? Bah, je ne sais pas, hein. Déjà, si le son n'était pas à 100%. Mais attends, mais pourquoi ça me marque OBS et pas Streamlab? C'est quoi que cette daube? Bah, avant, c'était toujours Streamlab qui était marqué. Pourquoi que. Et en plus, tout à l'heure, quand j'ai éteint OBS, ça m'a éteint Streamlab à la place. Je pige pas. Attends, du coup, il y a une option normalement qui devrait me permettre. Je sais plus où c'est, mais c'est une option qui me permet normalement de faire en sorte. Tu sais, quand je vais dans une autre page, le jeu il se met pas en pause. Autoskip, pause, win, inactive. Ah, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc là, je suis en game capture. Ouais, mais je suis en game capture là. Pourquoi est-ce qu'il me prend pas ce PD? On voit rien du jeu. C'est d'accord. C'est concept. C'est peut-être parce que je l'ai pas. C'est peut-être parce qu'il est en OpenGL après. Je vais regarder un peu. C'est la misère. Ah ouais, il est en OpenGL, donc c'est peut-être pour ça en fait. Le speed, on s'en fout, là, là, là. Voilà. Ça se trouve, c'est parce qu'il est en OpenGL qu'il peut pas. Je vois pas la différence, perso. Non, toujours rien. Bon, bah écoute. Je ne sais pas ce qui se passe. Je vais revenir en arrière pour essayer de trouver la source du problème. C'est l'éclate hein, ce soir, hein, dis donc. Hein. C'est le fun à son paroxysme, hein, dis donc. Vous éclatez, vous, dans le chat? Ça,
Dites-le-moi sincèrement, hein, vous avez le droit. Hein. Aïe, aïe, aïe. Mais pourquoi à chaque fois il me le trouve pas en fait? C'est quoi ce délire? Chaque fois il me le trouve pas. Voilà, c'est bon. Là il me le trouve. Je vais tester un truc, tiens. Tester quoi? Parce que moi, ça peut pas m'aider de mon côté, hein. Je vais revenir dans les gestionnaires de tâches. Mais c'est quoi? Parce qu'en fait, le Visual Bone me prend 30% et Streamlab 20%. Ah oui. C'est que cette merde. Mais comment ça se fait que Visual Boy il te prend autant? Bah il prend. Attends, je vais déjà tester un truc. Supprimer, hop, non, j'ai dit supprimer. Voilà. Alors, je vais regarder ensuite. Ben non, il prend toujours autant. Ou alors, si je reset, peut-être que. What? So close. So close, so close, so close. Bon, je vais relancer vu que visiblement le truc il est en plein burn-out. Ah mais littéralement là le logiciel il. Il fait des siennes. Ah mais c'est ouf ça, c'est horrible. Je veux bien te croire. Putain quoi. Ok, là ça marche. Ok, tout va bien. Et là, Visual Boy, il me prend que 11%. D'accord. Là, je suis d'accord, ok. Je vais donc ajouter. Tu sais quoi, je vais pas faire la capture de jeu, je vais faire la capture de fenêtre plutôt. Je crois que ce serait mieux. Je sais pas pourquoi, mais je crois que c'est ça le souci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ok, alors, on est d'accord que là, il n'y a pas de. D'accord. Si je fais ça. Que je fais ça. Normalement. Alléluia! Ça ne lag pas! Je sais pas ce qui. En fait, tu sais, je crois que c'est la capture du jeu qui faisait ramer. Là, je fais capture de fenêtre tout simple. Et ça passe. Bon! On va enfin pouvoir commencer après. Ah, après 20 minutes. C'est la dark. Putain quoi. Mais c'est nimp quoi. À la limite, essaie de cut au montage cette partie-là. Non, 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 mais je mettrai un timer sur YouTube, comme ça les gens ils pourront passer cette partie chiante et pas du tout. Bref. Nous sommes présents pour ce live ce soir. Ne vous inquiétez pas, on va commencer à s'emmerder pour de bon. Aïe aïe aïe, mais c'est l'enfer, hein. De toute façon, ça arrive à tous les streamers, ça, pas qu'à moi. Yep. En résolvant des mystères, nanana, Pokémon, nanana. Alors là, on se prépare. Toi, t'imagines que t'es déjà prêt? Oui. Bien le bonjour, bienvenue dans le monde, nanana. Si vous voulez le début, vous l'avez sur ma chaîne. Hein. Hop. On est là, c'est pour. De toute façon, on a assez perdu de temps comme ça. Alors, on va prendre un garçon ou une fille. T'as pris quoi? T'as un garçon? Moi, j'ai pris une fille. Ok. Alors, je laisse le chat décider. Fais vite quand même parce qu'on a assez perdu de temps, je pense. Non, mais on perd jamais assez de temps, t'inquiète. De toute façon, là, on va rush hein, le jeu. Ouais. Alors, garçon ou fille?
C'est énorme ça quand même. Hein. D'ailleurs, le temps que vous choisissez, je vais faire un petit truc sur le chatbox. Parce que je dois voir si le fond, je peux le changer. Normalement. Hein. Waouh, bah dis donc, il change vachement. Hein. Donc du coup là pour le reste, bah, tout passe bien. Hein. C'est juste que le chatbox, on m'a conseillé de mettre une couleur en arrière-plan, mais quand je le fais, ça fait rien. Putain, mon téléphone est tombé. Waouh, bien bro. Bon, vu que le chat n'a toujours pas décidé, je vais prendre, vu que t'as pris une fille. Voilà, c'est très... Bon, alors par contre, je peux au moins avoir votre participation sur le nom. Allez, tout le monde trouve ça drôle. Vous allez me nommer comment, mon personnage? Je suis sûr que vous avez de bonnes idées. N'est-ce pas? Pendant ce temps, je vais boire. Ah, aujourd'hui, le chat est au zénith. Hein. Il transpire tellement les gens sont, comment dire, se sentent impliqués dans le chat qu'ils en transpirent des doigts. C'est magnifique. Ne parlez pas tous en même temps hein, pour les noms, hein, sinon ça va être un peu dur. Bon, bah, il n'y a pas une option genre pour mettre un nom au pif? Non, c'est... Non, je crois pas pour le personnage. Je crois que c'est uniquement pour le rival dans Verfeuille. Vous savez quoi, hein? Je te propose Leaf. Allez. Non mais... Tant qu'à en avoir rien à brûler, autant en avoir rien à brûler jusqu'au bout, hein. Leaf. Oui. Merde! Non, ça c'est pour dire oui, d'accord. Alors, son nom. Bah, comme je suis un gros connard, je vais l'appeler Gontran. Voilà. Oh putain, le pauvre. En référence à tu sais quoi. Ouais. Ça tombe bien. Ok, alors. On est devant la Super NES. La NES, ok. Je lance le décompte. On est devant la NES. On va lancer le décompte dans... Vas-y. 3, 2, 1, c'est parti. Ok, c'est parti. Mais bon, on n'a pas les bottes de course pour le moment. Hein. Mais ça n'empêche pas qu'il ne faut pas utiliser le speed. Oui. D'ailleurs, les bottes de course, il me semble que c'est après la première arène qu'on l'a. J'ai parlé deux fois à ma mère, donc j'ai perdu du temps comparé à toi. Donc c'est déjà bien. Ouais. Dès le début, ça annonce la couleur. Eh, attends, ne pars pas! Je te propose. C'est très dangereux. Comme on a eu 20 minutes de retard à cause de. Streamlabs, on fait 20 minutes de plus au stream? Non. Ouais, t'inquiète, ici, si, t'inquiète. Même si on doit live jusqu'à 23h, on livera jusqu'à 23h. Ouais. Le texte, on s'en fout, hein, littéralement, hein, dites-vous. Par contre, on passe pas le texte avec la rapidité. Hein. Ouais, t'inquiète. Au début, on passe pas. Après, le texte, on passera. Mais au début du jeu... Du coup, il faut choisir le premier Pokémon. Alors, Carapuce, au début, c'est pas trop mal. Salamèche, c'est un bon choix, mais on sait tous que le meilleur choix à faire... C'est Carapuce. Bah, Herbizarre serait un très bon choix pour les premières arènes. Et j'ai toujours pris Salamèche, donc je vais prendre Herbizarre, vu que là, il faut speed. Pour ma part, je me suis pris Carapuce. 20 minutes de perdu et plus 40 minutes. On donne pas de surnom à Bubiza, on s'en bat les couilles.
Ah, il obtient Salamèche. Ah oui, par contre, lui, il obtient Salamèche derrière. Hop, Minika. Ah, toi, t'es déjà sur le combat, moi... Ouais. Voilà, moi, je suis combat aussi. Après, tu vas peut-être perdre, hein. Faut rappeler que les combats, le premier combat dans Pokémon, soit on gagne, soit on perd. Hein. Ouais. Mais bon, je vais pas le perdre. Ce sera un peu la dignité quand même. Bah, c'est possible, hein. Et Ouais, je sais que c'est possible, mais bon. D'ailleurs, j'ai hâte de le gagner. Par contre, Professeur Shen qui casse les couilles au début. Ouais. Horrible. Non, non, mais. Shen, oui, je sais comment... Oui, oui, t'inquiète, je suis pas demeuré. Par contre, il attaque en premier, Salamèche, c'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Par contre, je fais plus de dégâts. Il suffirait que je me prenne un critique et je suis mort. Ça sent... Ouais, voilà, c'est bon. J'ai gagné également. Et level 6. Ah ouais, plus une demi-barre en plus. Ah oui, d'accord. Il déconne pas le premier niveau passé. Carapuce, tu vas avoir du mal pour la deuxième arène quand même. Hein. Oh non, t'inquiète. Parce que si c'est juste pour la deuxième arène, il y a les Pokémon insectes dans la première forêt. Alors par contre, pause. Je vais baisser ton okay. Je vais baisser ton son encore une fois parce que on l'entend vraiment trop fort. Ok. Voilà. Tu me dis dès qu'on reprend ? Ah, je te laisse faire le décompte. 3, 2, 1, go. Ok. Regarde, j'ai copié ce qui était écrit sur... Oui, mais je m'en bats les couilles. Je t'aime bien, mais je m'en bats les couilles. C'est pas contre toi, mais je m'en bats les couilles. C'est une façon polie de lui dire de fermer ça, et c'est ça, de fermer sa gueule. Il fallait pas le dire, Night Day. Hein. Critique de la part de Ratata. C'est pas très bon, tout ça. Mimiqueux, moi. Bon, par contre, question comme ça. Oui. Après, il faudra rapporter les Pokéballs à chaîne, on peut passer la zone en accéléré. Ouais, parce qu'on revient sur deux pas, ouais. Okay. Non, parce que c'est pas une phase de PEX, donc non. C'est une mission, donc on est obligé de la faire à pied, ouais. Ok. Putain, j'espère que c'est pas un dresseur, celui à côté. Un roucoul, là. Alors là, vous voyez, le jeu, il est plutôt lent, mais une fois qu'on sera en phase de PEX, vous inquiétez pas. Ce sera plus rapide déjà. Putain, mais j'allais dire au début de live, mon PC il arrive pas à faire tourner les deux plus le stream, c'est la teum quoi. Ouais. Ouf. Bon, je le sens de Pokémon moi avant, hein, parce que mon air bizarre il est pas trop bien. Pas très trop cool. Le premier centre Pokémon, je ne le passe pas en zap non plus. Petit disclaimer, je risque de chanter les musiques de Pokémon. Hein. Je les adore. Ouais, bah. Tu devras éviter, hein, parce que c'est un live. Ouais, je vais éviter autant que possible. Herbizarre, ouais. Herbizarre, pourquoi ? Parce que j'ai envie de faire les deux arènes le plus vite possible. C'est un speedrun, hein, mon gars. Mais Herbizarre, honnêtement, c'était le pire choix sur le long terme. Non, c'est un speedrun, c'est pas un Nuzlocke, Night Day. Putain, même dans Ruby Saphir, on avait les potes plus vite que ça, quoi. Là, je crois que c'était après la première arène. Putain. Bah, non, oui, après, lui, il dit Herbizarre, il s'est trompé. C'est Bulbizarre, oui. Et un combat juste avant, putain, là, ça fait perdre du temps. Ratata. Level 2. Super.
Et pareil, hein, pour revenir à la ville, c'est tu n'utilises pas, vu que c'est pas une phase de PEX. Donc tu fais un aller-retour sans utiliser le le boost. Ok. C'est moi qui l'ai vu en premier? Ah, bon bah ok. Ouais, c'est pas une vidéo, mais vu que je vais pas le faire. Bah, tu sais quoi, fais-le. Bon bah les couilles en fait. Ah là là, Osef, 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 Osef. Dixit, le mec qui a failli chanter et donc qui s'est retenu et qui dit ouais vas-y je m'en bats les couilles vas-y. Gontran, nanana, pourquoi tu vas pas appeler? Oui c'est bon casse-couille, personne t'aime. Allez putain je dois. Ah oui c'est vrai, le Pokédex. Ce serait con de partir sans. Parce que c'est vrai que c'est le but, hein, aujourd'hui. Remplir le Pokédex. T'es arrivé au moment où il te donne le Pokédex? Ouais. Pareil. Ah, ça va. Je sais pas comment j'ai fait pour rattraper le retard que j'ai perdu, mais ok. J'ai eu quelques combats sur le truc et je les ai fait tous. Tu sais que tu pouvais passer sur le côté, hein, pour éviter les combats. Non, justement, parce que comme ça, au moins, je me fais du level Bah 1. non, c'est con parce que le level up c'est après, et en plus vu que tu gagnes du temps, bah c'est tout bénef. Mais au moins ça m'a permis de te rattraper un petit peu. Bah non, moi au retour, je zappe les combats. Et après, bon bah, je suis obligé de les faire. Le PEX, c'est plus rentable de zapper pour après PEXer. Parce que c'est plus rapide. J'avoue que c'est pas con ce que tu dis. Oh, level 4, putain, il fait chier. Tâche, oui, par contre, Vampigraine, je l'utilise que à partir du moment où je perds assez de PV pour ça. Par contre, juste question, est-ce que tu as idée de jusqu'où on peut pex dans les premières zones? Parce que je sais qu'à un certain moment, ton Pokémon ne t'obéit plus s'il est trop fort. Alors, normalement, tu peux aller jusqu'au level 20. Tu peux aller en dessous, tu peux aller jusqu'au level. Je crois, hein. Tu peux aller jusqu'au level 19 sans problème avant d'aller à Pierre. Ok. Je crois, hein. Je suis pas sûr. Parce que le level 20, c'est Ondine quand même. Mais Ondine, c'est jusqu'au level 30, donc ça passe. Non, il y a quand même de la marge. En fait, ça a surtout été, ils ont surtout mis ce système en place pour les gros forceurs qui pexeraient avant d'aller à l'arène. Ouais. Comme moi, l'époque de diamant, j'avais pexé mon simi. J'avais pexé mon. Comment dire? La grosse ville là au début dans Diamant et Perle. Bah oui. Félicité, je crois. J'avais pexé. C'est pas. J'avais pexé mon Wistikram et c'était déjà un Simiabras level 36. Ah oui, J'étais c'est vrai. tellement un gros forceur alors que je pexais des milliers de combats hein, pendant des heures. Et quand je dis que j'avais joué 3000 heures à ce jeu, c'est vraiment pas du fake, hein. Je veux bien te croire. C'était mon Pokémon à moi, quoi, parce que les autres Pokémon, ils ne m'appartenaient pas. Bon, on a fini par me le chourer, mais ce jour-là, j'étais en larmes, je chialais comme un gosse. Bon, là, ça va être ma phase de pec, donc je vais y aller rapido. Pareil, je suis à la phase de PEX. Alors, par contre, pause. Là, je vais vérifier ton sac aussi. Ouais, c'est bon, on a les Pokéballs, ouais. J'avais un doute. Donc, ah, donc vas-y, tu peux reprendre la phase de PEX. Ok. J'attends quelques petites secondes, hein, vu que. Par contre, ce qui est bien, c'est que sur ma manette, Ouais. j'ai un bouton turbo pour les phases de PEX. Ah, désolé, le gars, mais Ratata, pas intéressé, hein. Là aujourd'hui ça va pas être de. Ça va pas être d'avoir tous les Pokémon, ça va être de. Je vais me concentrer sur les Pokémon qui m'intéressent vraiment, en fait. Et Ratata, bah Osef quoi. Par contre, je suis déjà level 8, hein. Ça va vite. Level 9 pour ma part. Level 9 aussi, ouais. Je viens de passer level 9. Je vais aller me soigner.
Celui qui utilisera le mieux la compétence de boost, ça lui sera très utile aussi. Ouais. Parce que gérer son personnage avec le boost, c'est pas facile. Et je vais pas non plus trop monter de niveau parce qu'à un moment donné, je vais finir par one-shot les Pokémon et plus les attraper. Donc je vais me calmer un peu et zapper des combats jusqu'à tomber sur le Pokémon que je cherche et pex l'autre. Ça va être long. Gontran, tu l'as appelé Mongol. Ouais, bah tu verras au début de la vidéo, j'ai dit que vu que j'étais un gros sac à merde, je l'ai appelé Gontran. Putain, il est level 5, j'aurais dû. Eh, moi, je m'en fous, j'ai aucune race. Je m'en fous, j'ai aucune race. Comment ça? Je capture lui, je m'en bats les couilles. Voilà. Aucune race. Voilà, un Roku de level 5, ça c'est cool. Et plutôt que de faire errer le Roku que j'ai capturé en premier, je vais le relâcher parce que je suis pas un connard quand même. Voilà, je perds du temps, mais le level 5, il en vaut le coup. Parce que Pex un level 3 est beaucoup plus dur que de Pex un level 5. Tu fais beaucoup plus d'aller-retour. Ah, regarde-moi ça. Ça, c'est cool, ça. Ouais, quand même. Ouais. Carapuce niveau 11. Hey, salut, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Et l'exo-tatouage. Alors, parfois, je perds mon temps. Je vais perdre du temps, donc je te dirai quand est-ce que je lirai le chat. Et je te dirai quand je reprendrai le jeu, comme ça tu pourras repartir. Ok, je vais lire le chat. Arrête-toi un petit peu. Ok. C'est si tu as eu par échange qu'il écoute si t'as pas assez de badges. Ouais, si t'as pas assez de badges, bah qu'il est pas surtout. Comme je te l'ai dit, si t'as pas le premier badge et que t'es level 20, il va pas t'écouter. Comment je vais? Je vais très bien. Je sais plus sur quel live tu étais là. Ah, on est 5 viewers aujourd'hui. Alors que ce live a clairement pas commencé sur les chapeaux de roue, mais bon. Je sais plus sur quel live tu étais venu en fait, l'exotato. J'ai arrêté de lire le chat, donc tu peux y aller, tu peux recommencer. Ok. Voilà, Roku level 7. Déjà level 7? J'ai pris deux levels d'un coup là? Avec des level 3 de merde là? Et putain. Honnêtement, je vais m'arrêter à Roku dans cette zone parce que Rattata il va pas m'intéresser. Voilà, je suis déjà level 8, 9, ouais, ok. Ferrosage, il va pas m'intéresser, donc je vais pas aller par là non plus. Quoique, il y a un combat par là. Il me semble qu'il y a un combat de ce côté, donc je vais quand même pex un minimum Bulbizarre. Pour au moins avoir Folian, quoi. Le live où je t'ai découvert, c'était sur The Bang. Ah, d'accord. Oui, je crois que je m'en souviens maintenant. Ah, Folian. Ça, c'est cool, ça. Par contre, je crois que son Salamèche, à l'autre, il va apprendre une attaque de feu. Alors, il faut vraiment que... échanger. Je sais plus quel Pokémon il mettra en premier, le rival. On va savoir. Je sais plus si c'est son Salamèche qu'il met en premier ou si c'est... Parce que là, clairement, si c'est son Salamèche, je mets Roukoul direct. Par contre, Roukoul, que je regarde. Et il a que charge, hein. C'est maigre comme truc. Il faudrait vive attaque. Ah, par contre, je voulais Roukoul. Ok. Alors, j'ai tué un level 2 en deux coups, mais un level 3, je le one-shot. Et c'était même pas un critique. C'est. D'accord. Là, il n'y a rien à comprendre.
Tornade, c'est déjà bien. Je vais rester sur Tornade. C'est pas vive attaque, mais c'est cool. Bon alors. Leaf, ok. Ouais, bah de toute façon, level 9, il aurait eu Tornade, donc... C'est pas très très cool, ça, hein. Il va envoyer son... son Salamèche, là. Sac. Est-ce que j'ai une potion? Non, j'ai pas de potion. Est-ce que je peux envoyer un jet de sable? Oui. Parce que jet de sable, clairement, ça va m'aider. Faut un petit graine, ça vaut le coup. Ah, il m'a fait un coup critique, cet enfoiré. Ah, il a pas encore Flamèche. Oh oui. Oh, c'était gratuit, ça. Je savais pas qu'il avait pas Flamèche à ce moment-là du jeu. Ok, d'accord. Tout va bien, du coup. Pouvoir quitter la zone avec mon level 10 et 9. Je sais pas... Quels sont les niveaux de tes Pokémon, toi? Pour ma part, c'est pour l'instant 5 et 12. Ah ouais, c'est plus... Ah ouais, l'autre, il va me montrer la capture du Pokémon, là. Par contre, je t'invite à utiliser le boost de vitesse pour le vieux qui te montre la capture, là. De quoi? Le vieux dans la ville, au-dessus, quand tu passes devant lui, il te montre comment capturer un Pokémon. Ouais. Je t'invite à passer le truc. Okay. Forêt de Jade, ça va être plutôt long vu que vu que c'est une nouvelle zone et qu'on peut pas utiliser le boost ici. Comme je l'ai dit, la règle c'est d'utiliser le boost que pour revenir dans une zone en arrière précédemment pour Pex. Par contre, je me souviens plus. Je crois que c'est vers la gauche qu'il faut aller. Ouais, on fait un speedrun sur un jeu qu'on se souvient plus beaucoup, hein. C'est concept. Chenipan, ah. Ouais, je te capture. Faudrait Pikachu quand même. Pikachu, il est dans la forêt de Jade. Ah, je sais, mais faudrait avoir de la chatte pour tomber dessus. Comment? Oh bah non, bah là je suis désolé, mais fuck, hein. Je te capture pas. Mais non, mais tu me niques la Pokéball, désolé, mais tu dégages. Level 11. Ok, il va y avoir les premiers combats. Par contre, j'aurais dû mettre mon Roucoule parce que clairement, avec Tornade, ça irait plus vite. Donc lui, il va m'envoyer des Aspicots et des Chenipans. En plus, je suis con parce qu'il suffit qu'il me mette son dard empoisonné. Là, ça fait un coup super efficace. Donc ouais, Bulle Bizarre, c'est pareil. Une très bonne idée au début. Ah non, même pas super efficace. C'est c'est à dire à comprendre. Je pense à un truc quand même, parce que la nouvelle zone qu'on n'a pas visitée, de toute façon, ça sera des nouvelles zones, il y aura aussi des dresseurs. Est-ce qu'on ferait pas plutôt... bon, je perdrai du temps, mais bon, vu que je suis plus loin, j'imagine, je suis à la fois Jade. Est-ce qu'on ferait pas plutôt, genre, on marche sans utiliser le boost, mais que quand il y a un dresseur, on utilise le boost quand même? Ouais, si tu veux. Ça serait vachement long quand même. Au prochain dresseur, je fais ça.
Faut pas que ça soit trop long au niveau du live quand même. Oh merde. Je risque pas l'empoisonnement. Tornade et... Moi j'ai hâte de quitter la première zone avec un level 12 et un level 10. Ah. Bah moi ils sont à peu près au même niveau. Une Pokéball. Un antidote. Ça peut toujours servir. Surtout dans cette zone. Allez, donnez-moi un Pikachu là. Par contre, j'ai l'impression que je vais pas dans la bonne direction. Je sais pas pourquoi. T'arrives à te perdre dans la forêt de Jade? Non, normalement, je suis à la gauche. Normalement, je suis pas perdu. Un Aspico. Ouais, non, fuite. On peut risquer. Je suis à la forêt de Jade. C'est un dresseur, lui? Ouais, c'est un dresseur. Ouf, Chrysacier. Même pas en rêve. Alors, au cool, il va monter en premier, ça c'est sûr. Allez, donnez-moi un Pikachu là. Ouah, un Aspico. Énorme. Parce qu'un Pokémon électrique, ça serait sympa quand même. Ah, on est plus que deux sur le live. Visiblement, j'aurais dû faire ça avant. Ça va, je suis toujours pas empoisonné après les dards que je me suis pris. Ça fait plaisir. Ah, mon Roku est victime de poison. Ah. Mais heureusement... Ils ont même pas le temps de me mettre le poison qu'ils sont déjà morts. Pour le coup. Le Chrysacier Osef. Aïe, aïe. Même pas besoin d'utiliser l'antidote. La ville est tout proche. Est toute proche, pardon. Ouais, et le centre Pokémon est juste là. Et c'est parti pour la phase de PEX après avoir été chercher des Pokéballs. Bien entendu. Ne jamais capturer les Chrysacier par défaut. Parce qu'ils auront que armure comme attaque. Ouais. Après, capturer un Chrysacier niveau 7, hein, c'est pas mal. Hein. Mais ils auront pas charge. Et ça c'est plutôt con. Ouais, par contre je reviens en arrière. Je dis pas level 4, non. Attends, je rate mon attaque sérieusement. Enfin j'avais raté mon attaque. J'ai hâte de quitter la forêt de Jade. Moi aussi. Mais là je suis retourné pour Pex. Bon, les Aspico je les fuis, hein, m'en bats les couilles. Là, je cherche un Pikachu, clairement. C'est vrai qu'un Pikachu, ça pourrait m'être utile de moi pour la deuxième arène. Ah oui, quand même. Hein. Je vais pas avoir besoin que d'air bizarre sur le coup. Enfin, je crois qu'à ce moment-là, j'aurai un air bizarre. Par contre, ça va être chaudard de tomber sur un Pikachu. Donnez-moi un chenipan level 5. Voilà, c'est bien. Le jeu, il y a juste à demander. Ah, je suis tombé sur un Pikachu. C'est pas très efficace. Ah. Oh non, mais t'es sérieux, mec? Quoi? T'es sérieux, tu tombes sur un Pikachu? Ouais. Mais je voulais l'affaiblir, mais je l'ai buté comme un con. Bah, t'es trop level. Ouais. Bon, moi, je vais aller chercher des Pokéballs. Chez. Bon, je vais retomber sur A.
Ouais, mais moi, putain, depuis tout à l'heure que j'essaie d'en avoir un. Alors, on s'en fout, hein, d'acheter des potions, tout ça. En sachant jouer, pour le moment, on n'a pas besoin de potions. C'est quoi? Je vais essayer de le trouver avant toi. Je vais essayer de zapper tous les mobs. De toute façon, j'ai pas besoin d'XP pour le moment. Je suis trop au level, je risquerais de le buter. Putain, j'ai que des shiny potes level 5, là. Allez, allez, allez. Petit Pikachu, où es-tu? Alors, c'est peut-être pas fun à regarder, mais au moins, prie avec moi. Prie avec moi dans le chat. Bah, ouais, Pikachu, il peut avoir de pas très très bonnes stats, mais on en a besoin. Cocon fort, Osef. Un Pikachu, j'ai dit. Putain, il est vachement rare, t'es tombé dessus si vite. Ouais. Je suis dégoûté de l'avoir buté. Ouais, ça t'aurait fait gagner un temps monstre, hein. Ouais. Contrairement à moi qui suis encore en train de le chercher. Des combats, j'en ai passé au moins une trentaine, là. Putain, mais ils sont tôt de... Ah. Je tombe sur un deuxième Pikachu. Putain, mais t'es sérieux? Vas-y, file-moi un peu de ta chatte, là. Mais c'est quoi la chatte de ce type, sérieux? Il tombe deux fois sur Pikachu, mais c'est... Mais je viens d'en capturer un. Oh non, mais c'est dégueulasse! Au secours! Donnez-moi un Pikachu. Putain, quoi. Un Pikachu, please. C'est... Ah, enfin! Oh, il level 3, mais je m'en bats les couilles. Comment ça, évite l'attaque? Non, non, tu l'évites pas. Par contre, il va falloir que je l'affaiblisse petit à petit, hein. Parce que là, le level 3, je peux le one-shot tout simplement. Là. Bon, on attend. Hein. Vous allez bien, vous, dans le chat, sinon? On parle de chat, toi, ici. Vous avez fait quoi ce soir? Vous avez mangé quoi, dites-moi? On perd un temps monstre. Pendant ce temps, toi, tu t'entraînes. Au calme. Ouais. Comment ça? Eh non, mais je suis désolé, hein. Voilà, tu te calmes, hein, Pikachu. Clairement, on s'en fout. Là, je veux le centre Pokémon, j'en ai rien à foutre. Il faut qu'on rattrape le temps perdu. Bon, on va essayer de upgrade Pikachu. Ça va pas être une mince affaire. Mon Pikachu, il est level 5 maintenant. Putain, il est... Du coup, il a son retard, il a plus le... Pendant le temps que je cherchais, il a c'était un, le temps où il devait où il, le temps que je cherchais. Voilà, le temps où il upgradait son Pikachu. Tu t'allais pas au centre Pokémon de temps en temps avec les Aspicou qui te foutaient du poison à la gueule? Bah moi non, il n'y a qu'un seul de mes Pokémon qui a eu du poison. J'en ai pas eu énormément non plus, ouais. Ouais, level 4 Pikachu. Très bien. Ouais, clairement, j'utilise Recool parce que c'est le plus rapide. Non, alors, je voulais pas faire charge. En vrai, je sais même pas si j'ai bien fait de prendre Chenipan parce que clairement, j'ai bu bizarre pour l'arène qui va suivre. Donc, Éclair, vas-y. Putain, mon Pikachu, il avait que rugissement depuis le début.
Ah là là, mon Pikachu, il a monté sévère. Enfin, il avait pas éclair, quoi. Il avait que rugissement. Donc, vous savez quoi? Bah, le chenipan. En fait, je prenais chenipan dans mes autres parties parce que je prenais Salamèche. Et que ça me permettait d'avoir choc mental avec Papillusion. Mais là, ici, il me servira à rien. Je vais upgrade mon Pikachu jusqu'au level 10. Il est ouais. level 7. Moi, il est level 5. Je perds du temps, hein. Clairement. Oh, des Crisaciers. Ça, ça donne plein d'XP, ça. Voilà. Il apprend Mimikyu. Super. J'adore. MDR Mimikyu. Et quand même, le Aspico, il a dû me faire deux sécrétions pour que Pikachu soit plus lent que lui. Hein. Ah ouais? Ouais, quand même. Ouais. J'ai même pas envie de regarder les stats de Pikachu. Je l'ai maintenant, je le pexe. Bien que ce serait stratégique hein, de regarder ses stats. Hein. Level 7. Allez, donnez-moi des level 5 là. Des bons gros level 5. Je vais être à court de PP. La petite phase de pex, hein. Voilà comment on joue à Pokémon de nos jours hein, sur émulateur. J'avoue. Parce qu'à l'époque, c'était. Bah, quand tu dis qu'à l'époque, t'avais pas le boost. Ouais. Tu te dis, c'est juste énorme en fait. On supportait la vitesse du jeu quand même, hein. C'est ouf. Et en plus, moi j'ai juste à rester appuyé sur A parce que j'ai une manette turbo. Ah ouais, moi je dois cliquer comme un gros bâtard. Exactement. Comme un putain de clodo. Putain de clodo, quoi. Exactly. Ah, j'ai cage éclair, mais Osef. Donc t'es level 7 si t'as cage éclair. Non, 8, je suis level 8, presque 9. Ah, moi je suis level 9, la moitié. Je rattrape. Allez, foutez-moi des crisaciers. Voilà. Level 9. Ça va, j'ai pas rattrapé. Ouais, parce que moi je tombe pas sur des crisaciers. Ah, je tombe. Ah putain, je tombe sur plein moi. En même temps, j'explique pas dans la forêt de Jade. Ah. Bah, chais. J'XP, tu sais, au. Ouais, au-dessus, un peu au-dessus, quoi. Ouais. Comme ça, j'ai pas besoin de faire 30 000 allers-retours pour aller à la. Ouais, mais moi j'ai les crisaciers. Pokémon. Pas faux. Et les formes évoluées donnent plus d'XP. Allez, les derniers éclairs là. Un petit level 10. Voilà, je suis level 10 bientôt là. Hop, je suis level 10. Pareil. Bon, on est au même niveau. C'est bien. Bon, par contre, je vais changer de Pokémon pour la reine de pierre. Je vais prendre. Ah, par contre, t'es sûr d'y aller maintenant, la reine de pierre? Oui, pourquoi? Bon, comme ça, ok. Je vais tenter aussi. J'ai envie de te dire, j'ai des Pokémon niveau 12, 14 et 10. Je réussissais la reine des pierres, j'avais même pas le tiers des niveaux. Par contre, c'est dégueulasse parce que à son arène, il y a qu'un seul dresseur pour s'entraîner avant Pierre. Ouais. Bon, je vais faire une sauvegarde. Hein. Clairement. Contre les dresseurs des arènes, on a le droit de le mode. Attends. Putain, mon jeu, il a freeze pendant quelques secondes. Quoi? Pour les dresseurs des arènes, on a le droit le mode accéléré? Non, c'est que pour les dresseurs. Ok. Carapuce niveau 13. Alors on zappe pas un combat de dresseur d'un maître d'arène comme ça. Alors. Ouais. Ah, il a que deux Pokémon. Oh, oui, ça va. Je lui mettrai un Vampigraine sur son Onix.
Ah ouais, bah alors, Caillou, tu dégages dès le début. Level 14, mon Bulbizarre. Onyx, il va donner tellement d'XP. Ouais, j'avoue. Toi, t'as déjà pistolet à eau, j'imagine. Ouais. Tiens, moi aussi, je t'étreigne. Je pourrais y aller en mode je le défonce à coup de... Comment dire ? À coup de fouillade, hein, mais je préfère d'abord commencer par un vampigrène. Sait-on jamais. Ah bah, pff, je l'ai one shot. Ouais, bah je t'ai dit. J'ai perdu. Ouais, j'ai perdu du temps. Je réussissais l'arène à chaque fois. Je n'avais même pas le tiers des niveaux qu'on a. Poudre toxique. Ouais, ok, mais poudre toxique, enfin, ouais. Bon. Une fois que tu l'as battu, par contre, tu peux réactiver. Ah ouais, non, il va réapprendre toutes les trucs. J'ai fini l'arène. Moi aussi. Je l'ai one shot Onyx. J'aurais pu le one shot, mais j'ai perdu du temps en voulant faire un vampigrène dessus. Ah oui. Donc voilà, je vais revenir au centre Pokémon, même si mon air bizarre n'en a pas beaucoup besoin. Enfin, c'est pas encore un air bizarre. Rappelle-moi, c'est bien Weebadge qui est là, c'est pas 10. Non, c'est Weebadge, ouais. Ouais, je me disais bien. Je vais faire quelques petites séances de PEX. C'est niveau combien déjà que j'ai voulu en air bizarre? Je sais plus. Bon, c'est pas là que j'irai PEX de toute façon. En nouvelle zone, je suis obligé de marcher. Ah, on peut, c'est bon, on peut courir. Enfin. Waouh, on va tellement plus vite. Ah. Bah moi j'ai Pikachu. Ouais, c'était sûr qu'elle allait me faire ça. Aspico, bon bah je vais prendre au cool. Ouais, moi aussi je. Ouais. Voilà. Comment ça t'es pas one shot? Et voilà, j'apprends Vive Attaque. Tu l'apprends seulement maintenant? Bah au level 13, ouais. Ah non, Roucool, je parle de Roucool. Non mais même Roucool, je l'ai appris bien avant. Bah je sais pas, là il a appris Roucool, enfin, il a... oui, d'accord, il a appris Roucool, tout à fait. J'ai appris Vive Attaque à ce niveau-là. Ah. Va pas chercher à comprendre. Ouais. Ah bon. Eh ben ok. Comment ça? Putain, je fais tellement pas mal avec moi. Ah, il est level 11, c'est pour ça. Ah ça, putain. Ah ça. Allez, un dernier petit level, là. C'est pas ce que je voulais. Voilà, level 11. Ah là, et au level 11, il apprend Vive Attaque, Pikachu. Allez, re-centre Pokémon, même si ça fait perdre du temps. Hop. Du coup, mon équipe, c'est Roucool, Pikachu et mon starter, pour le moment. Du coup, on met Roucool. Voilà. Prise acier. On va remettre plus bizarre. Foliane. Ça passe bien, Foliane, quand même. Mm.
Ah, par contre, lui, c'est un type poison. Ouais, je choisis de Pokémon. Et il veut attaque. Ça passe mieux comme ça. Voilà, j'ai voulu le level 16, c'est bien ce qui me semblait. Les évolutions, on les passe pas. Enfin, je veux dire, on les... Voilà. Ouais. On les turbo pas. On turbo seulement les zones qu'on a déjà visitées et les dresseurs qu'il y a sur notre chemin. Ouais. Toi, c'est level 7 ce que tu pexes? Enfin, que tu passes en air bizarre? Ouais. Bah, moi, je vais te dire RC Camp parce que si c'est le level 16, parce que je vais y passer à ce combat-là, level 16. Pikachu level 11. Ouais, éclair, ça marche pas avec l'armure. Eh ouais. Moi aussi, c'est level 16. Ok. Ah ouais, elle, c'est vrai qu'elle a un rond doudou. Ah, elle m'a mis une entrave. Carabaf. Ah, la berceuse, mais je te prends quand même ta vie. Eh oui, c'est comme ça. Du coup, ah oui, mais du coup, mon Herbizarre, il est en somme. Merde. Oui, parce que le sommeil, quand tu le récupères pas en combat, il reste sur ton Pokémon après. Bah, ce dresseur-là, je l'avais pas fait, tiens. Ouais, quand même. Il y avait rien dans les autres. Non, c'est bon, il y avait rien. Ici, il n'y a rien non plus. Ok, donc il y a. Avant d'aller dans la caverne. Machin, là. Mont Sélénite. Ouais. Je vais quand même pex avant. Voilà. Un férocinge. Un type. Pas forcément envie d'avoir un type combat dans mon équipe. Je suis en train de réfléchir. Il va y avoir des gypsies. Je sais pas si un petit combat ça serait vraiment bien contre. Ouais, je pense pas. Glace, tout ça. Je vais. Ouais, non. Je veux pas partir sur un petit combat. Ah, ça a été du temps perdu, mais bon. Bon, bah moi je vais passer à la grotte. Pourquoi Enfin, je... quoi que je vais d'abord mettre mon Roucoule niveau 16. Vu qu'il lui reste plus beaucoup. Rondoudou, par contre... Non. Ta boule armure ne suffira pas contre l'éclair, c'est pas du contact. Pourquoi au level 16 au cool? Non, je vais pas faire ce que j'ai dit, je vais y aller directement. Il va y avoir plein de Nosferalti, donc Pikachu devant. Par contre, je te conseille d'abord de pex au Mont Sélénite. Hein. Ouais, bah je pexerai sur la route, écoute. Ouf. Ouh, c'est dangereux.
Ouh, c'était dangereux. Putain. Le mélofé qui a failli me la mettre profond. Des level 9, ça, tant qu'il y en a, ça va. Ça augmente de pas beaucoup. Ah, level 10, ça, c'est bien. Pas envie d'un Osferalti. Voilà, level 14. Tirou cool, là. Pas contre lui, non. Lui, c'est un dresseur. Voilà, c'est un dresseur. Nice, c'est un scout en plus. Voilà, le 15. C'est le kiff. Une CT, pourquoi pas. Tchè, c'est un petit, il va y en avoir. Hein. Ouais. Ah, dans cette grotte-là, tu vas les collectionner. Mélofé. Bon, il me servira à rien, Mélofé. J'ai pas envie de le capturer. Je crois que j'ai trigger plus d'un, là. C'est sûr. Mélofé, c'est putain de rare, hein, Mélofé. Moi, si j'ai un Mélofé, je me ferme le Delph direct, gros, vu que j'ai une pierre lune. Ouais, mais pas envie. C'est con, mais c'est comme ça. Voltorb, Pikachu. Ouais, ça passe bien. Le scientifique qui passe. Ouais, je fais le début, hein, de la zone. Ouais. Je fais toute la zone. Un super bonbon. Ouh, je savais pas qu'il y avait un super bonbon à cet endroit-là. Moi, je suis content, j'ai eu un rappel. Ça, c'est toujours bien. Ça pourrait me servir pour je veux dire, voilà, pour gratter un niveau supplémentaire de plus. Ouais. Merde, c'est pas dans la bonne direction que je vais. Je vais reprendre Pikachu. Voilà. Voilà. Hop. Je vais aller voir, comment dire... à la zone tout à l'arrière, enfin tout en arrière, dans la ville d'Argenta, s'ils vendent pas des camps de sortie. Ah oui. Au moins une, quoi. Ça pourrait toujours être sympa. Ah, ils en vendent une. Zuria, tu veux dire? Non, non. Argenta. Argenta. Ah, t'es retourné en arrière? Oui, pour avoir une camp de sortie. Pourquoi t'es déjà à Azuria, toi? Bientôt. T'as utilisé le boost ou comment ça se passe? Non, j'ai pas utilisé le boost. D'accord. Alors après, moi, je suis safe, hein. J'y vais pas... parce que si j'y vais comme toi, t'as des chances de mourir si tu vas comme ça, tu sais. Après, si ça passe... Si ça passe, ça te permet d'avoir du temps d'avance. Surtout que... Je te dis, j'avais commencé le jeu, j'avais même pas le tiers des levels que j'ai là, la dernière fois que je l'ai fait. Ah, mais c'est fou quand même. Paras, non, pas intéressé. T'es
Putain, je sais même pas si j'ai pris le bon endroit. Ah. Un sbire de la team Rocket. C'est le moment où je vais avoir la El Famoso au fossile. Ah oui, merde, c'est vrai que lui, je peux pas. Le fossile, ouais. Ah, putain. Voilà, chais. Allez, reflet. Mais je m'en bats les couilles de reflet. Tiens, voilà, reflet. Voilà. Il se calme, le coco de la Team Rocket. Ah merde, c'était pas là. Putain, par contre, j'ai eu un morceau étoile. Ça peut valoir cher. Bah, c'est fait uniquement pour être vendu, en fait. Tu te souviens de l'endroit... Enfin, tu te souviens de la caverne, toi? Tu sais où il faut aller? Oh oui, par cœur même. Putain, c'est pas mon cas. Hein. Ah ouais. Faut dire aussi, le jeu, je l'ai fait tellement que maintenant, oh, j'arrive à me souvenir de tête, des zones. M'en fous, je te tuerai avec Vive Attaque, toi. Chétifleur, ouais, bon, je suis pas mazo, hein. Voilà, hop, level 17 pour Ocool. Oh là là. C'était clair. Ah oui, non, merde, je suis pas censé les... Bon, je prends qui dans le fossile? Je pense que je prends Terra. Par contre, je me souviens plus c'est quel fossile. Tu te souviens, toi? Ah merde, mon Pikachu! Lequel? Dis-moi les fossiles. Il y a Dom et Nautil. Le Dom, c'est pour Kabuto. Et Nautil, c'est pour Ammonita. Et celui de Ptera, tu... Non, il n'y en a pas Ptera. Non. Non, ça... Ben, je vais prendre Nautil. C'est à part, ça. Merde, mon Pikachu. Oh, un Mélofée. Ouh, ça va être chiant. Je suis pas dans une très très bonne posture. Je devrais utiliser ma corde sortie. Ça, on passe pas. Ça y est, je suis à la route 4. Et mais t'as pas affronté la Team Rocket? Si. Ouais, d'accord. Et une Pokéball. Putain, je peux pas être plus perdu que ça de toute façon. Pierre Lune. Ah bah voilà, je crois que j'ai fini la zone. Enfin, je suis bientôt à... Ah, il va me faire croc de mort, ce bâtard. Voilà. Azuria. C'est moi ou c'est pas par là? Je vais déjà aller m'attaquer à l'arène, j'irai pex après. T'as le mec qui va direct s'attaquer à l'arène, quoi. Il a pas le temps. Oui. Ce n'est pas qu'il fallait passer par là.
Tiens, une petite vive attaque là. Va te calmer. Pas ce que je voulais faire. Bon, j'ai pas envie de revoir Pikachu mourir. Enfin, là, je serais un peu dans la merde sinon. Donc, potion. Non. Voilà. Voilà, lui, il va m'énerver. Oh, son tas de morts. Voilà, ok, si tu veux. Smogo, si tu veux, ouais. Guest, heureusement que j'ai gardé un antidote sur moi. Deux fois chargeur, ok, si tu veux. Anti-poison, enfin antidote. Heureusement que j'étais prévenant. Bon, le fossile, voilà. En vrai, ça peut être pas mal, hein, Ammonita. J'essaierai de le flairer avec l'or quand je pourrai. Bah, la Team Rocket, tu m'as dit que tu l'avais affrontée, elle était pas là. Bah, si, il y en a juste avant. Juste avant les fossiles. C'est lui que j'affrontais. Ah ouais, mais non, mais c'est pas Team Rocket lui. Moi je te parle de les deux là. Ah ouais, non. Allez, c'est parti pour Odin. Jean? Odin. Ah, Ondine. Ouais, je suis sur la route là, je suis presque à Azuria. Voilà, je suis à Azuria. Par contre, je suis con, j'ai les bottes. Là, je perds encore plus de temps, hein. Bien entendu. J'avoue que moi aussi, j'y avais pas pensé. Putain, depuis le début, on y est habitué. Ouais. Préems. Ah ouais, bah si tu veux. Hippotrempe. Starry utilise armure. Putain, pourquoi je suis pas éclair comme un teubé? Il n'y a que deux dresseurs. Oh putain, je prends cher là avec Starry. Oh, mais de toute façon, je vais prendre cher moi aussi, je crois. Parce que n'oublie pas, Staros, il est level 21. Hein. Ouais. Et Staros, je crois qu'il sait faire soin. Si je dis pas de conneries. Donc je vais aller pex un petit peu là. Avant de m'attaquer à Ondine tout de suite. Et puis il y a Régis qui m'attend, donc c'est nickel. Ah oui, non, par contre, attends. Oh putain, non, j'ai raté mes attaques. Oh, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Alors par contre, lui, son Roucoule, c'est level 17. Mon Roucoule est level 17 et il a toujours pas évolué. Hein. Je dis ça, je dis rien. C'est trop bizarre. Mon cool, il s'en sort avec un point. Ah, vas-y. Allez, il me reste Air Bizarre. Vas-y, Air Bizarre. Vampigraine. Je risque malheureusement de perdre. Je risque malheureusement de perdre. Putain. J'aurais dû save. Putain, allez, Oui! Non! Mais c'est dégueulasse! Putain, j'ai raté deux fois mon attaque! Oh putain! Mon pauvre. Mais c'est dégueulasse! C'est immonde. J'ai perdu le fric du coup. Combien j'ai perdu, je ne sais pas. Est-ce que t'as été au centre Pokémon de Azuria? Oui.
Heureusement, parce que sinon tu te tapais toute la grotte. Non, 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 t'inquiète. Je me souviens même plus si j'y étais d'ailleurs. Ah, tata, ouais, bah. Oh, cool. Ouh! Eh, tu m'y reprendras pas deux fois ce coup-ci. En plus, il lui restait un Pokémon derrière. Eh bah, c'est au tour de Pikachu de level up. Allez, bim! Pourquoi il revient? Ok, bon, je vais. Voilà, j'ai claqué des potions. Odin, ça va être autre chose. Hein. Super potion. Ouais, pourquoi pas? Ça fait beaucoup de potions. Enfin, ça fait beaucoup de fric dépensé, mais bon. Pas besoin de dépenser pour les antiparas. Là, là. Ça sera pas utile, l'éclair. Bon, je crois que je vais aller faire le dresseur avant parce que Staros, il me pose problème. C'est ce que je te disais, hein. Il est énervant, Staros, de ouf. De souvenir, hein, parce que. Merde, putain, pourquoi je suis. Putain, je suis con. Là, mes trois Pokémon sont level 19 quasiment. Ah ouais? Allez, vas-y, j'ai de sable. Enfin, pas j'ai de ça, oui. Cyclone, ça peut être pas mal. Et il évolue en Rookups. Donc en gros, il évolue au niveau 20, quoi. En fait. Alors que Régis, lui, il avait son Rookups level 17. Lol. Faudra un jour qu'on m'explique c'est quoi le fuck, hein. Par contre, j'ai oublié. Merde. Qu'est-ce que je devais faire? Et voilà, je devais aller voir mon Pokémon. Changer l'ordre de ses attaques. Ouais, parce que. Ouais. Ça risque d'être un peu con sinon. Allez, allez, allez. Petite vive attaque et ça passe. Là, je suis en train de pex avec tous les dresseurs qu'il y a au-dessus, là. Je vais faire pareil. Voilà, Pikachu level 20. Apprends souplesse. Oui, pourquoi pas. Ah non, il a évolué au level 19, non, je suis con. Ah, ça c'est bien. Bon, alors du coup. Pikachu en premier pour les plus faibles. Et puis se sauvegarder. Là, comme tout à l'heure, il y a eu un petit freeze. Je sais pas pourquoi. Bon, par contre, ouais. J'ai dit les dresseurs, les maîtres de Pokémon d'arène, on les a pas.
Donc Starry, ok. Non, il a juste Starry et Staros en fait. Et t'avais galéré contre Starry, tu as dit. Staros. Starry, je le bats facile. Ouais, bah je l'ai one shot. Critique en même temps, ouais. Donc là, j'ai un Pikachu en bonne forme qui va pouvoir affronter Staros. Le 21. Ah, il a vibra quoi par contre dans cette version? Ah ouais, ouais. Putain, en plus il m'a confus. Ah ouais, non, par contre il va être grave chiant avec ça. Il était pas assez chiant comme ça. Fallait qu'il ait vibra quoi en plus. Non mais une petite vive attaque comme ça je te gratte des points avant que tu me butes. Putain, mais vibra quoi? Ouais, non, ça va être chaud. Heureusement que j'ai pris Arbizarre. Putain. Enfin, Bulbizarre. Parce que là, clairement, c'est honteux. Hein. J'hésite. Vampigraine quand même, parce qu'il peut. Il peut se soigner. Il m'a pas fait vibra quoi ce coup-ci. Ouais, ça vaut le coup là. Là, Fouillal et normalement je le bute. Allez, allez. Oui! Allez! T'es dead, t'es mort. T'es dead, mon gars. Je viens de finir les 6 dresseurs. Ok. 931 points d'expérience. Ou quasiment level 21. Ça, c'est bon ça. Voilà. Ah par contre j'aurais dû attraper un Rattata pour couper tout ça là. Force et machin. Parce que... comment dire, ça me fait combien là de... C'est dans la boîte ACT. Comment ça j'ai pas... À moins que coupe faut la... À moins que la CS coupe faut la récupérer sur un PNJ. J'ai complètement oublié ça. Staros est paralysé, parfait. Il attaquera toujours en dernier maintenant. Ouf. C'est pas dit que ça t'aide forcément. Hein. J'ai perdu mon Pikachu. Bon bah go Roucool. Ah ouais mais Roucool ouais. Malheureusement t'as pas un type herbe avec toi. Bon c'est qui a 16 coupes sur lui? Ah mais je crois que c'est ouais non c'est beaucoup plus loin. Ah mais en fait avec mon Karabuff j'ai une attaque super efficace sur Staros. Ah j'ai bon. Morsure. C'est un type psy Staros? Non c'est pas un type psy. Bah apparemment. D'accord. Bon, tu as arrêté avec tes soins? Ah oui, bah forcément, je t'ai dit qu'il était chiant avec ça. En fait, il faut timer les dégâts que tu lui fais pour pas qu'il le fasse. Parce que si à un moment donné, ses dégâts sont trop bas, il fera soin. Non, mais là, c'est bon, de toute façon, j'ai gagné. Bonne nouvelle. Je suis en train de défoncer le sbire de la Team Rocket. Voilà, je te suggère qu'on fasse une petite sauvegarde. Et donc, okay. Save state. Et on reprendra ça demain soir. Ok, à l'aise. Donc, petite sauvegarde. Voilà. Par contre, je vais au centre Pokémon avant de sauvegarder, je peux ouais, bah on va aller au centre. Ouais, totalement. Bah, c'est pas une mauvaise idée, tiens. On va aller au centre Pokémon tous les deux. Même si j'avais un peu d'avance. Et puis on repartira de là. Tu restes devant le comptoir, tu bouges pas, tu sauvegardes. Ouais. Et tu. Et voilà. Popolopopo. Donc à ce niveau-là, ok. Il n'y a plus qu'à éteindre. Bref. Il est 22h39, ce qui nous fait quand même
un petit total de 1h39 de live, en sachant qu'il y a facilement au moins 30-40 minutes où on n'a rien fait. Non, je dirais 20-30. 30 minutes où on n'a rien fait parce que bah c'était un live en carton, encore une fois. C'est pas vraiment ma faute. Effectivement, c'est là où on reconnaît la qualité. La qualité des meilleurs streamers. De la crème, de la crème. De la merde. Parce que même dans la merde, il y a la crème de la crème, quoi. Bref, ce live pour ce soir est terminé. J'espère qu'il vous aura pas trop ennuyé. J'espère que vous êtes encore éveillé, hein, parce que ça se trouve, il n'y a plus trop d'activité dans le chat. Ça se trouve, il dorme depuis un bail. Bref, c'est pas grave. Merci à vous d'avoir été là. Il y aura la rediff, comme d'habitude, sur YouTube. En attendant, je vous dis à tous une très bonne nuit. Et à bientôt pour soit demain, soit après-demain, parce que bon... C'est la première partie, mais c'est pas dit que ça sera forcément demain que je l'éleverai. Sinon, je prends toujours soin avec un petit message. Voilà, un message comme celui-là. C'est le message qui signifie que le jour-ci où il est posté, c'est le jour où il n'y a pas de live. Mais bon, vous verrez. En tout cas, au prochain live. Je vous y retrouverai. Tu peux... voilà. J'allais justement te proposer de dire tes adieux. Et on coupe l'antenne. Ciao, ciao tout le monde.